La vidéo est sponsorisée, c'est faux, non, j'aimerais bien, mais j'ai pas assez d'abonnés, je pense, pour ceci. Donc, on va commencer tout de suite avec mon P36 AAWK, parce que je l'aime bien, il chasse bien les avions, puis je le trouve beau, pas comme le F4, F3. All around me are familiar faces, worn out. Pour de vrai, pour un jeu gratuit, c'est magnifique. Genre, déjà sur PS4, je trouvais que c'était un beau jeu, mais là sur PC, c'est beau. J'ai le graphique sur max. Donc, ouais. Parce que je peux mettre film, mais film. Donc, on va prendre Mater Live parce que, ben, je sais pas, mais ouais, la concurrence, c'est pas très fun. Donc, vous allez voir que je vais l'exploser. J'ai dit que j'allais l'exploser, faut que j'allais... Non, reviens ici. Donc bien sûr, comme vous pouvez voir, c'est sûr, dans l'aviation, on me prendrait direct. Je défends bien les personnes. Non, mais il va... mon ami va venir me voler ma kill. Ah, assistance, fais chier. Non, mais fais chier, le gars, il est venu, il a mis 2-3 balles, puis il dit ah, parfait, genre, hey, je suis content comme c'est pas possible. Mais bon, est-ce qu'on le prend en chasse, lui, le balade de Manta? Pourquoi pas? Ça, il y a un Spitfire proche. Ah, bon, ben, c'est craché le pauvre. Bon, ben, triste, ça. Hein? Allez, on pleure. On pleure pour lui. Hein? C'est... On a tous de la peine. On a de la peine aussi pour ce pauvre balade de montagne qui s'est pris quelques coups. Ah, salut, toi. Les petites maisons de campagne. De campagne, bien sûr. J'ai plus de balles. C'est parfait. Ah, oui, j'ai des balles. C'est encore mieux. Là, j'ai vraiment plus de balles. Là, j'ai des balles. Merci. Bye. Je me suis fait toucher. Il y a... boy. Un gars qui me poursuit, je pense qu'il y a un gars derrière moi. Non, il y a personne. Ah, devant moi, peut-être. Ah, là, je serais mieux d'avoir peut-être peur. Car ce monsieur... Oh, what the fuck? Man, m'a fait peur, il est arrivé, oh, genre, fait, et lui, je lui sauté dessus, pourquoi pas, tu sais, au cas où. Il est mort peut-être en ce moment. Moi, non. Je suis juste atterri tranquillement. On va prendre notre P26 à 34M2. Quel nom long, on dirait. Ouais. Ah, bah, je touche les mauvaises touches, moi. Donc là, j'ai des petites bombes sur celui-là. C'est lui, pour l'instant, je pense que c'est mon meilleur. Même s'il n'a pas l'air d'être tant bon que ça. Je défonce quand même des avions parce que j'ai des bonnes balles et des bonnes mitrailles dessus parce que j'ai débloqué toutes les modifications qu'il y avait. Donc là, celle-là, je ne veux pas la perdre. Mais en même temps, oui, parce que ça me tombe de me cultiver. Mais en même temps, non, parce que, ben, c'est quand même le but, c'est pas de perdre non plus. Logique. Donc on va prendre lui parce que pourquoi pas. En plus il est en train de chasser nos avions. C'est pas un gentil garçon. On va pas le laisser en vie. One eternity later. 2 inches later. Quand j'ai failli me cracher. Oh man. Un Spitfire. Je vais me défoncer, je vais pas. Ah mon dieu, il m'a chié dessus. Bonne nuit. J'espère avoir le kill. Bonjour, vous. Je t'ai ciblé, maintenant tu vas mourir. Ah, ah, non, 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 il était pas mort. T'étais pas mort, toi? Ah, c'est Mater au live. Je mets mes balles dans le sac, puis ça dit que ça le touche pas. Bon, là, ça l'a touché. Selon moi. Je vais mourir, et pas lui. Selon moi, je devrais peut-être aller dropper mes bombes si je veux pas perdre, mais en même temps, je veux faire un bon classement. Et c'est ça, puis je fais confiance à mes alliés. Parce qu'en ce moment, on a caché. Oh oui, c'est moi la personne la meilleure dans ce jeu, comme vous pouvez le voir, bien sûr. On va prendre notre galère, parce qu'on est dans la galère. Hein?
Je mange jamais de même d'habitude. Oh, fait chier. À part quand j'ai genre plus d'essence. On va prendre le sous-marin volant. Parce que. Pourquoi pas? Moi, je dis que ça ressemble à un sous-marin, mais vous pouvez voir ça comme une goutte d'eau aussi. Volante. C'est logique. En plus, je sors des nuages. Là, c'est parfait. Écoutez, c'est parfait. C'est triste que j'avais pas d'amis sur ce jeu-là. Et là, je pompe tout le temps haut. Mais on s'en fout. Putain. Wow. Ça ne tombe à rien, qu'est-ce que je dis. Ah, c'est le retour de Luigi. Oh mon dieu, L2. 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 Il s'est multiplié le gars, genre c'est Naruto le gars. Voilà, c'est la seule référence de multiplication quasiment que j'ai. Et je fonce dans les nuages pour aller dropper une bombe, et je ne parle pas de merde, mais bien d'explosif. C'est à peu près la même chose que si tu mangerais du mexicain. Et on drop la bombe. On drop l'autre bombe. Et hop, au petit gars là-bas tout seul. Et on drop la grosse, la Big Bertha, la grosse bombe de bombe. J'ai tué personne avec la bombe que j'avais avant. Ah oui, j'ai donné des coups. Toi, tu vas mourir un jour peut-être. Ma grosse bombe d'habitude qui est supposée de tuer tout le monde est pas mort. Pour de vrai, je m'en fous. On va dire que ça me fait beaucoup de peine, tu sais. Non. Putain, je l'ai détruit avant. Je suis mort. Puis on va peut-être perdre. Pourquoi? Je vous dis, après deux secondes, cet avion est tellement faible, elle va tomber dans l'eau comme une goutte d'eau. Tellement lentement. Tu vas mourir, s'il te plaît. Faut tout le temps demander la permission à la personne avant de la tuer. Mais si je pourrais, je vous demanderais, je peux tuer mon ami. Parce que, ben, écoute, je suis un petit grand fan, là, que je pourrais être en avion. Ils sont tout le temps magnifiques, je te le dis. En plus, je vais tuer une couple de toi, donc. J'espère que je vais le tuer avec cet avion-là, comme ça peut-être qu'il reviendra dans les avions que j'aime bien, mais c'est pas comme hier. Oh, coup critique avec un avion beaucoup d'eau. Yay! Je t'aime bien finalement, un peu plus plutôt. En plus, elle a vraiment la couleur du coup. Elle a pas de chance dans la vie. Ah, toi, tu vas niquer. Je t'ai niqué. Tu m'as pas niqué. C'est qui nique les gens? C'est pas moi, parce que, ben... Ouais. Il est où l'avion, là? Je l'ai perdu. Même, j'ai perdu un avion. Ça peut être ça. Il est là, la petite bergeuse. Hey, la cave. Oh non, ah, bon, ben, ok. J'ai fait la moitié du travail, mais ça comptait comme si j'avais tout fait ce travail. Écoutez, je ne te plaindrai pas. Comment je suis mort? Genre, mon bonhomme, il a fait « Oh non, lui, il s'est fait tirer une balle dans la tête. » Ce que je pourrais expliquer, c'est que personne n'a plus de queue. Chut, non. Je sais qu'est-ce que vous pensez, et non. Regardez des images. Waouh, c'est parfaitement ça! Hein, non, mais le. Ah, t'as plus des trucs qui viennent de War Thunder. Non! Ils l'ont tellement bien fait! Oh my god, j'adore tellement ce jeu-là! Ils l'ont bien fait! Regardez comment il est bien fait! Bon, ça, c'est le jeu-là. Mais ouais. Ils l'ont bien fait quand même. Le Curtiss P36 Hawk, aussi connu sous le nom de Hawk Model 75, est un chasseur américain des années 1930, contemporain du Hawker Hurricane, il est magnifique, et du Messerschmitt BF-109, qui lui sont bien supérieurs.
C'est l'un des premiers chasseurs modernes monoplanes de construction entièrement métallique. Obsolète au moment de l'entrée en guerre, il fut fortement employé par l'armée de l'air française pendant la bataille de France puis par le régime de Vichy. Il fut également utilisé par le Commonwealth britannique. Quand je commence à prendre un accent britannique, où il était surnommé Mohawk, comme la coupe de cheveux, par l'Argentine, le Brésil, la Chine, l'Iran, la Norvège, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, la Thaïlande, la Finlande, en employant également plusieurs douzaines contre l'Union soviétique, qu'on aime beaucoup, on vous aime la Russie, et l'Union soviétique. Et les Slaves, avec à distance. Près de 1000 appareils furent produits. Ça, c'est intéressant, ça, c'est un Slave. Ça me rappelle quelqu'un, le groupe, mais je ne dirai pas qui est. Le Grumman F-4 Wildcat est un avion de chasse américain pour porte-avions. Et ça veut dire que, genre, il y a le porte-avions sur le F-4, je crois. Ok, ça, c'est un avion de la Deuxième Guerre mondiale, selon moi. Faites pas attention qu'il y ait F-4, c'est la même goutte d'eau. Qui fut mise en service au sein de l'United States Navy et de la Fleet Air Arm britannique en 1940 sous la dénomination Mark. Je sais pas c'est quoi ça, mais bon. On va faire comme si on savait c'est quoi, ok? De Guantanamo à Pearl Harbor. Oh my god, ça fait peut-être partie de Pearl Harbor. Wow, la goutte d'eau, je te respecte un peu plus, même si t'es pas très belle. Conception, l'exportation, engagement. Ouais. Ouais, donc on connaît son histoire. On voit plus l'histoire parce que, ben, ok, Midway, ok, ouais, ça fait partie de Pearl. C'est ça, là, de la magnifique guerre qui a fait que, ben, après, ben, le Japon a explosé. On va se le dire, une petite partie ou une grosse, ça je le sais pas. On va s'informer à la fin. À la fin, quand on aura plus d'avant, on va voir si ça explose une grosse partie ou une petite partie. Ok, donc ça, c'est parce que les Japon ont fait aïe 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 dessus. Bien sûr, c'est pas leur bord que je prononce avec un magnifique accent avec les îles Saumon. C'est parce que Wikipédia, ils font des erreurs parce que c'est Saumon, je suis sûr et certain. Ok. Donc, ouais, c'est ça, donc dans le fond, c'est ça, ça a été quand même le fun. Non, pour de vrai, c'était pas le fun, c'était horrible. Mais, c'est comme si j'y étais, puis oui, j'y étais. J'ai tué pas mal beaucoup de Japonais, puis j'ai fait des ramen avec leur intestin. Donc, toute la recherche, je voulais plus 40, pas plus 40. Donc, ouais, le Curtiss P-40 Warhawk fut le troisième avion de chasse le plus produit des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Dernier développement de la série des chasseurs Curtiss Hawk, il vola pour la première fois en 1938, Deuxième Guerre mondiale. Ouais, il m'a bien écrit là en plus, mais c'est pas l'autre chose. Je l'ai pas lu, ok. Il traîne une réputation d'avion de chasse dépassé et surclassé par ses adversaires, ce qui provoqua même une enquête après la Seconde Guerre mondiale visant à déterminer pourquoi il avait été maintenu en production envers et contre tout. Avec le recul, il semble plutôt que ses pilotes eurent à combattre dans des conditions difficiles qui ne permirent pas à l'avion de briller. Ils eurent une importance certaine dans les opérations du milieu de la Seconde Guerre mondiale et cela pour plusieurs raisons. Ok, donc c'est à cause de des conditions des pilotes qui étaient pas tant bons que ça. Mais pour de vrai, il est très bon, moi, je trouve. Ben, en plus, il a été beaucoup produit. Je me rappelle, anecdote, je pense, chez mon cousin, on avait un jouet qui ressemblait à ça, qui dansait des petites balles. Fin de l'anecdote. Le P-39 Air Cobra, ça ressemble à lui qu'on a, mais c'est pas lui. Thunderbolt. Oh, nice. Une Mustang. Hey, ça ressemble à une Mustang, ça.
Je sais pas son là, mais ça ressemble beaucoup au... Ah, c'est parce que c'est un F6F quelque chose, donc ouais, pour ça. Il est beau celui-là quand même. Ouais, pas mal de beau. Les Britanniques. Ah, je me demande c'était quoi un Britannique en même temps. Ok, tigre volant. Waouh, ça c'est à cause de ses dents. Et le surnom donné à une escadrille de pilotes américains de son nom officiel, First American Volunteer Group, ou AVG. Ouais. Basée en Chine durant la Seconde Guerre mondiale, l'escadrille participe notamment à la guerre sino-japonaise et à la campagne de Birmanie. Je suis capable de lire. Je savais que vous ne le saviez pas. Ha ha! Je suis tellement cave que c'est normal que vous ne le saviez pas.